J'ai délaissé la Giacomelle pour la Ciroc. A force de crier dans mes sons, je me demande si je devrais faire du rock. Est-ce que je dois faire la même musique que Johnny? Je suis un génie sans talent comme Lirock. J'ai fait tellement de passes que je me prends pour un génie du ballon comme Leroy. Je fais comme le Barça, Chiquitaka. Bosse pour la monnaie, je crée la surprise comme au Malais. Et je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Je brasse qui t'a mouillé. Si y'a les bleus, je vais m'émoller. J'étais parano avant Cash Money. Bosse pour la monnaie, je crée la surprise comme au Malais. Et je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Brasse qui t'a mouillé. Alors, salut tout le monde, c'est Gabo Rison. J'ai mon Gabi RZ. Ça dit quoi, gros? On est là et toi? Calme, déjà, on est où en fait? Là, on est à Joigny, donc 89-300, tu connais. Ouais, moi, c'est BRZ. Venez à la machine comme vous voulez. 89-300, Joigny, T6 dans la SQDF. On est là, essaye de faire des petits sons, tu connais. Génération, un triple 9 mm. Un triple 9 mm. Ne confie pas tes sous, gros, je peux te la mettre. C'est sûr que je peux te la mettre. Mentalité 300. On t'aime bien, mais on peut te faire pour les sous. Là, on est à la T6, là, tu connais. Ouais. Vas-y, il y a trois quartiers ici en gros. Il y a la T6, là où on est. Après, plus loin là-bas, t'as la Madeleine, on appelle Dallas aussi. Et en haut, t'as le QDM, t'as le quartier des morts. Après, ça traîne plus à la Madeleine. Ici, il y a presque personne, t'as vu. Ça a clippé devant ce bat-là ou quoi? Ouais, si, j'ai clippé à l'intérieur, là, dans le hall. J'ai fait fumée blanche ici. Après, à un moment, j'ai fait Cash Money aussi, juste là-bas. Je vais te montrer un peu. Mais tu connais ici, on n'a pas trop clippé. Ouais, j'ai clippé que ouais. Fumée blanche dans le hall, là. Dans Cash Money, là, ouais. on est tous rentrés dans le truc, là. Sorte de balcon bizarre, on était là. C'est-à-dire on a fait des parties ici. Ah non, je suis un ouf, j'ai clippé Mauvais 3 aussi là-bas. Ici, Mauvais ouais. 3, Gestapo aussi, une partie sur le parking. Sinon après c'est plus au quartier. Hein. C'est plus à la Madeleine. C'est comment alors? C'est des quartiers différents ou c'est un seul gros quartier? Bah en fait, t'as vu, c'est des quartiers différents, mais c'est comme si c'était un seul quartier. Tu n'as pas de délire de ouais, T6 contre je sais pas quoi. Tu vois, on est tous ensemble en gros, c'est tous la même mentale. On a dit on est à Joigny, ouais. Mais t'as vu... Les gens ils connaissent pas forcément Joigny, c'est où? C'est-à-dire c'est comment on se retrouve? On est dans quel département? Là, t'es dans le 89, t'es dans Lyon, la Bourgogne, tu connais. Bon. Plus connu ici, vas-y, c'est Auxerre, tu connais, comme il y a la GIA, tout ça. Nous on n'est pas très loin, mais ouais, sinon c'est 89. Hein. On n'est pas très loin, on est en dessous du 77 et collé au 45 carrément. Toi t'as toujours été d'ici ou quoi? Bah ouais, moi j'ai grandi ici, je suis pas né ici, mais j'ai grandi ici. Depuis que je suis petit, je suis ici. Y a d'autres rappeurs ici ou quoi? Ouais, en vrai, y en a plein. Ouais, y en a plein. Déjà, on a celui que t'avais vu tout à l'heure là. Qui était cagoulé là, vas-y là, je sais pas il est où. Tu vois, il y a Nawer, il y a Jimmy, il y a moi, il y a Dada. Après, il y en a des autres, ils rappent et tout, mais ils veulent pas se lancer. Juste qu'ils rappent dans leur coin et tout. Mais sinon, il y a beaucoup de rappeurs. C'est carré, tu m'as dit, là-bas ça va détruire, non? Tu ouais. m'as dit ça. Là, je crois ils vont le détruire ici parce que déjà, il n'y a plus personne là. De ce côté-là, il n'y a plus personne. Ici, il y a encore 2-3 têtes, mais. Là, carrément, ils ont scellé l'entrée et tout, ça veut dire que ouais, tu peux plus rentrer tout ça. Quoi, ça a détruit pas mal ici ou c'est toujours resté comme après, ça? Après, non, ils ont déjà détruit un bâtiment là-bas, à la Madeleine. Sinon, après, ici, ils ont rien détruit. Pour l'instant, t'as vu. C'est quoi, c'est le stade de Joigny ici ou ouais, quoi? Le stade de la Madeleine, là, c'est le Synthé. Juste après, là, t'as l'honneur. Et après, t'as deux terrains annexes là-bas, là. En gros, on a 4 terrains, on est bien en vrai. Bon, je sais quand je suis venu à Auxerre, je sais que ça joue bien. Ouais. À Auxerre, mais est-ce qu'à Joigny, ça joue bien? Non, franchement, en vrai, à Joigny, ça joue. À Joigny, ça joue. Après, c'est pas le niveau de la GIA, tout ça. Mais t'inquiète pas qu'il y a des bons joueurs. Il y a des pépites et tout. Il y a des joueurs qui viennent d'ici, de ce quartier-là ou quoi? Bon, après, je te mens pas, il n'y a pas de joueurs. Il n'y a pas français, il n'y a pas de grosses têtes en gros qui a percé tout ça. Il y en a, ils sont partis en centre et tout. Bah, il y en a carrément qui sont partis à la GIA. Après, il y en a, ils sont vers Dijon et tout. Mais sinon, de grosses têtes, non, il n'y en a pas. Toi, la question, c'est toi, est-ce que t'es chaud aussi? Non, bon, vas-y, moi, je me débrouille. Moi, je me débrouille. Je suis pas nul, mais je suis pas fort. Là, je me débrouille. Là, on a la salle Omnisport, là, juste derrière, il y a le quartier de Dallas, la Madeleine. Si tu connais, il y a plein de trucs. Il y a basket, il y a de la gym. Il y a même un dojo, tu connais, ceux qui font du judo, karaté et tout. Après, ça joue au futsal. Entre nous, on est bien, on fait ça le lundi, jeudi. Sinon, ouais, à part ça, on ne traîne pas trop, là. Il y a le City là-bas aussi, tiens, il y a des petits, ils jouent là. Maintenant, c'est que les petits vont au City. Plus personne ne va au City. Ça va plus au Synthé. Du coup, tu m'as dit que tu as clippé ici. Ouais, j'ai clippé un son là. J'ai clippé Mauvais 4 ici. C'est quoi Mauvais du coup? C'est une série. Ouais, c'était une série freestyle. Ouais. Au début, j'ai mis que sur Insta. Tu connais, ça avait pris un peu. Surtout le 1, il avait pris. Et vas-y, après, tu connais, on a tout mis sur YouTube. Quand en gros, j'avais fini avec la série. Le 1, c'était méchant. Le 1, Mauvais 1, pour écouter. Ouais. Mauvais 1, je crois que c'est le meilleur son. Et comme j'aime pas la défaite, si tu m'as fait, je reviens et je te fais. Et si je vis, là-bas je vois. Là-bas j'arnaque quand j'y vais. Et si je viens dans ta soirée, je danse. Et s'il y a moyen, je vole. Bon, ça veut dire gros, comme on est à Joigny, c'est un peu compliqué, j'imagine, de trouver des clippers, des studios, tout ça. Ouais. Toi, tu t'organises comment en général? Bah, Jack Clip, il est là, lui. Le boss, il est là, chaîne tes prods.
Oh, tourne-toi, regarde la caméra, mon pote, il est là. Il est là, chaîne tes prods, c'est lui. Ouais, mais c'est lui, c'est grâce à lui. Même c'est lui, il nous ramène au studio, tout. C'est lui, il m'a ramené au studio la première fois, même. Ça veut dire, raconte ta première séance studio, gros. La première séance studio. Ouais, première... un studio à côté, à Auxerre. Bah, tu vois le truc que je t'ai dit, là, home studio, là. Ouais, ouais. Et t'as vu en plus, le délire, c'est quoi? C'est la cabine en mode, elle est. Je vais au quoi? La cabine en mode. Lui, tu vois, lui là c'est trop. Ah, petite parenthèse, lui là c'est trop. Lui, s'il est pas ici, il est toujours avec une mauvaise. Il est toujours avec une meuf. Et bah, t'as vu, en mode, vas-y, on est parti au CA, il m'a ramené. Et vas-y, déjà, le truc c'était. Vas-y, j'étais pas à l'aise. Parce que t'as vu, c'était la première fois. J'étais grave timide et tout. Et en plus, la cabine, t'as vu la cabine en mode. Il n'y avait pas de cabine. Il y avait l'ingé, l'ordi, ah, et juste ça. Après, il y avait le micro. Ah, ouais. T'as vu, ah, c'était vraiment la débrouille. La vie de ma mère, ouais. Ça dit quoi, Youssouf? Viens. Viens ou quoi? Moi je te motive. Viens ou quoi? Non, même pas, wesh. C'était là. Ah bah, tu vois, c'était ça la première. Après, vas-y, je te mens pas, j'étais pas trop à l'aise. Hein. Parce que vas-y, de base, moi je suis un peu timide, t'as vu? Je suis un peu timide, tout ça. Et vas-y. Mais après, quand vas-y, on est parti dans des autres studios un peu mieux. J'étais sous potion. Tu vois, j'étais plus à l'aise. Et maintenant même, ça se ressent dans les sons. Hein. Ça se ressent dans les sons, comment je crie dans mes bras et tout, les trucs comme ça se voit maintenant, je suis à l'aise. Ah, c'est studio, important d'être à l'aise. Ouais, studio, maintenant, c'est la maison. Bon, du coup, gros, on arrive où, là, maintenant? Là, on est à la Madeleine, là. On appelle quartier Dallas, aussi. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais on l'appelle comme ça. Voilà. Ça, avant ça, c'était la tour, elle était toute rouge. C'est-à-dire quand tu es tu dis, ouais, t'es à la tour rouge. Okay, c'est après longtemps, ils ont commencé à rénover et tout. Parce qu'avant, même, les bâtiments, là, ils étaient bleus. Ah ouais? Ouais, les bâtiments, là, ils étaient bleus. Ça a été rénové, alors? Ouais, ça a été rénové. Ici, là, avant, il y avait un bâtiment. Il y avait un bâtiment avec un Porsche, mais vas-y, ils l'ont détruit, ils ont fait un parking. Je sais pas pourquoi ils aiment trop faire ça. Ah ouais. Ils font ça partout. Sinon, il y a d'autres rappeurs ici, là, un peu. Ouais. Tiens, bah, il y a lui déjà, là. Il est là, Nawer. Viens. Je suis là. Vas-y, présente-toi un peu, wesh. Bon, moi, c'est Nawer Banks, aka Ghost. Je fais du rap depuis 2 ans. Tu connais, on a pris l'exemple sur l'ancien. Ça a mis. Et là, j'ai toujours pas sorti de son. Parce que j'étais pas encore prêt. Ça va arriver quand alors? Je pense là, 2023. Ouais. Je connais maintenant, on a pris la maturité. On a pris du niveau. Non, on espère, hein, parce qu'en plus il est bon, il était déjà bon même au début, mais vas-y, lui, c'est un mec qui fait le sexy. Tu vois, il fait le sexy, il aime pas sortir ses sons et tout. Mais là, maintenant. Ouais, mais là, normalement ça va arriver, on espère en tout cas. Et toi, t'as déjà fait des feats avec des mecs d'ici ou quoi? Ouais, je même pas encore, tu vois, c'est ça le truc. Il y a trop de rappeurs, mais tellement on est des flemmards, juste pour se péter. Trouver une instru, écrire et tout, trop la flemme. Parce que lui, je devais en faire 40. Mon petit frère, je devais en faire je sais pas combien. Il y a 10 mètres. Ouais, ah ouais, ici, j'ai clippé On attendra aussi. C'est vrai, c'était ici, ouais. Ici, mais ouais, tu vois, il y a 10 mètres aussi, je devais faire des sons avec lui. Il y a plein de gens, wesh. Je vais faire un son avec un mauvais de ma tour. Là, il est pas là, là. C'est un mec qui rappe en anglais en plus. Ah ouais, ouais. Comment ça se fait bien. Parce que tu connais, c'est un Jamaïcain. Un truc comme ça, et tu connais, ça veut dire lui, il est plus dans les délires, il parle anglais. Ah, je capte, ouais. Bon, ici. Attends, j'ai oublié de te dire aussi. Ici, là, il y avait un petit parc avant. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Il y avait un petit parc pour les pieds, je sais pas, ils ont bouché le trou, ils ont tout enlevé. Je sais pas pourquoi, je peux pas compris. Après, là, maintenant, t'arrives à la place. Là. Ah, c'est la place alors, ouais, hein. Ici, tout le monde traîne ici, là. Et c'est quoi HNT alors? On entend parler de HNT. HNT. En fait, HNT, c'est un truc tout bête. HNT, c'est première lettre de 893 en gros. Ah, comme si c'est juste 900, c'est juste ça. C'est juste ça, ok. Tu vois, c'est un mec de chez nous, il a commencé à dire ça. Big up à 9-4, c'est 9-4, il a commencé à dire ça. Il écrivait partout, ouais, HNT, tout ça. Et nous, on lui demandait, même nous, on savait pas au début, c'était quoi. Ouais, c'est quoi HNT, tout ça, nanana. Il nous a dit quoi, ouais, c'est un truc qui est écrit sur les murs tout le temps. Il n'avait pas deviné tout ça. Et c'est après, il nous a dit, ouais, c'est dire 8-9-3, tout ça. Et c'est dire, après, ça a commencé de là. Tout le monde a commencé à mettre HNT dans son blaze. C'est-à-dire maintenant quand tu mets HNT, tout le monde sait que t'es un mec de Joigny. C'est ça. De toute façon, ça se voit, on le voit partout depuis tout à l'heure. Ouais, bah ouais, tu vois. C'est carré. Toujours ça. Après là, je te mens pas, là, il y a presque personne. Hein, parce que ah là, t'arrives ouais. À la mauvaise période. Hein. Ah ouais, l'hiver, il y a eu des... gros. Il y a eu des... Non, même, c'est même pas pour l'instant. Là, il y a plein de gens, ils sont béton. Ah ouais. La vie de ma mère, ça veut dire là, il y a plein de gens. Ça, tu vas voir, là, il y a lui, là, l'Arménien, là, lui, il casse les couilles. Justement, c'est comment Joigny? Parce que t'as vu, les gens, ils entendent pas souvent parler ouais. De Joigny, ils savent pas qu'il y a des quartiers à Joigny. Ouais, non, c'est en vrai, t'as vu, après, on est pas en mode en délire, ouais, vas-y, c'est la cité, on fait je sais pas quoi. Joigny, on est dans notre coin, la mentalité, elle est bien, on est bon délire, tout ça.
On n'est pas dans les délires de Hagra, tout ça. Après, maintenant, t'as vu, quand tu cherches, tu vois, logique, tu trouves. Mais vas-y. Sinon, on est dans notre coin, tout ça. On essaye de pas trop se mélanger, on est entre nous. Et là, c'est la place, c'est là où il y a tous les commerces et tout, ouais, ça veut dire. Tout ça, ouais. Il y a un coiffeur, mais bon, je vous déconseille d'aller là-bas. Là, il y a un coiffeur, je vous déconseille d'aller là-bas. Il y a une épicerie, il y a une boulangerie. Là, il y a le ch'ti snack, il a fait la ville, il est pas ouvert là, mais vas-y. C'est un truc où tout le monde se pose. Je sais pas quoi. J'ai un PMU aussi ici. Ouais, t'as clippé sur la place un peu ou quoi? Ouais, ici j'ai clippé une partie dont on attendra. Ouais. Genre là j'ai clippé. Ici j'ai clippé Cash Money sur les escaliers. Ici aussi avant il y avait un parking. Bah, t'as vu là, ils ont fait un petit parc, c'est bien, ouais, ils ont fait un petit parc pour les pieds et tout. Mais ici il y avait un parking, j'ai clippé Cash Money aussi, ouais. J'ai clippé Cash Money. Et sinon après à part ça ici, j'ai pas clippé d'autres sons. Hein. Carrément, demain je vais clipper en haut là. Ah, tu vas clipper en haut? Ouais, juste en c'est haut ça là. Que ça peut rendre bien. Hein. Ouais. J'ai clippé Buteur aussi à la Tour Rouge là, que je t'ai dit. Et vas-y, ce clip-là, je te mens pas, hein. Tu te rappelles le clip Buteur? Il était bien et tout, mais ah, ça a failli m'apporter des problèmes en fait. Ah bon, bah tiens, raconte, ouais. Raconte l'anecdote si c'est encore bon pour la raconter. Ouais, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, c'est carré. Juste, tu connais en mode, vas-y. C'était un clip déjà, c'était un son, je devais le clipper depuis je sais pas combien de temps. T'as vu, moi je suis un flemmard. Ça veut dire, vas-y, à chaque fois je repoussais. Je disais, ouais, on clip là et tout. Après, je disais, nique sa mère, vas-y, on clip prochaine fois, tout ça. Un jour, maintenant, je dis, vas-y, ce jour-là, on va vraiment clipper. Et tu connais même ma chaîne T-Pro, il me mettait la pression et tout, vas-y, on va clipper, vas-y. C'est-à-dire, on a clippé. Au début, on a commencé ici. On a commencé à clipper là, t'as capté. Vas-y, on clip, c'était bien, tout ça. Et t'as vu, la mosquée, elle est juste là. Ouais, ouais. Ça veut dire, tu connais, les gens, ils sortaient de la prière, tout ça. Et maintenant, ils entendent, il y a du bruit, tout ça, il y a des gens, ils crient, tout ça. Ça veut dire, tu connais, il y a des imams, ils viennent, ils descendent. On se graille un rappel. Ah. On se graille un rappel, vas-y, on se graille un rappel, tout ça. C'est des darons, tu connais, tu verras, t'écoutes et tout. Maintenant, après, c'est quoi? Vas-y, je leur dis, hey, vas-y, là, ça m'a refroidi, les gars. Venez les mauvais, on met ça la prochaine fois. Ouais, ma bite, t'es fou quoi? Ça fait 40 ans, on attend que tu clips. Vas-y, viens, on va à la Tour Rouge. On va à la Tour Rouge. On était parti péter des mortiers déjà pour le clip. Je leur ai dit, venez, on descend au stade. Comme ça, on allume, tout ça, genre en l'air, on s'amuse, tout ça. Ça a dit quoi? Non, ma bite, hey, les mortiers, c'est pas pour les tirer en l'air, faut les tirer sur les keufs, tout ça, non. Tu connais, ils se chauffent trop vite, ça veut dire, vas-y. Moi, je dis quoi? Je dis, vas-y, moi, je dis rien du tout. Fais ce que vous voulez faire, mais après, faudra assumer en mode. Vas-y. Il fallait dire, après, ça a commencé, ils sont venus. Ça a commencé à les allumer, ça a commencé à les caillasser et tout. Tiens, bah regarde, en parlant du loup en plus. Oh, bah, tiens. en parlant du loup en plus. Les beaux gosses. Bah, t'as vu ça? T'as vu, ça a fait ça et tout. Et vas-y, après, je te mens pas. Ça a créé des problèmes un petit peu. Il y en a, ils se sont fait perquise, il y en a. Et... Perquise après, pour ouais. Démorcer et tout. Chez eux et tout, la vie de ma mère. Après, franchement, moi, t'as eu Dieu merci, j'ai rien eu. En tous les cas, tu connais, moi, j'étais juste là en train de faire mon clip. Après, vas-y. Hein. C'est la seule galère qu'il y a eu pendant les clips ou quoi? Ouais, après, ouais, c'était la seule vraie galère. Parce que sinon, en vrai, ils venaient à tous les clips. À chaque clip, chaque clip, ils venaient, on sait pas pourquoi. Ah, j'imagine, c'est, vu que c'est une petite ville, ils doivent pas être habitués, ils doivent tailler. C'était ça aussi. Mais pourtant, il y a eu des clips avant. Il y a eu Eddy, quand il avait fait Chiche Boom, il a été beaucoup, ils sont pas venus. Il y a eu quoi d'autre comme clip après, à part ça? Après, je crois qu'il y avait eu que celui-là. Avant? Ouais. Moi, il y a eu que celui-là. Bah, carrément, c'est après ça que j'ai commencé à rapper, moi. J'ai un poteau en mode, il s'appelle Eddy, son blase c'est DLZ. Il avait fait un clip 2018, Chiche Boom, tout ça. Ça a rappé, je connais, tout le monde était ambiancé, c'était le premier clip et tout. Ça veut dire, après, j'ai un poteau, il a dit, ouais, venez, on essaye de rapper, toi, on essaye tous de rapper, ça, on essaye d'écrire des textes et tout. J'ai dit, vas-y. Maintenant, après, ça veut dire, on était au QDM, au quartier des morts, juste en haut. Là, vas-y, on voit pas d'ici, mais on va monter. On est dans une cave et tout. Je connais, moi, j'avais écrit mon texte. On était trois, ce jour-là, on était trois. J'étais dans la cave, je fais mon texte et tout. Après, ils m'ont dit, ouais, j'étais chaud, tout ça. Tu connais, ils aiment bien, je fais, ouais, t'es chaud, tout ça. Non. C'est-à-dire, le lendemain, je l'ai refait, il y avait tout le monde. Ouais, non, t'es chaud et tout, vas-y, faut commencer, tout ça. Faut te lancer, non. Au début, t'as vu, j'hésitais un peu parce que je suis timide. Tu vois, les délires de caméra, ça veut dire, t'es sur YouTube, tout ça. Je me disais, vas-y. En plus, les darons et tout, ici, ils tombent sur ça, tout ça. Carrément, maintenant, même eux, ils écoutent les sons et tout. Ah, bah, c'est bien, alors. Ouais. S'ils valident, c'est maintenant, le principal. Ils écoutent les sons et tout, juste, bon, tu connais, il y a 2-3 paroles, ouais, petit. Ouais. C'est un peu, tu vois. Mais sinon, ils écoutent les sons et tout. Et après, c'est là, carrément, quand on a commencé à rapper et tout, et bah, c'est là, il a commencé à faire le délire de caméraman, tout ça, à chaîne T-Pro. Bien. Se dire, en gros, on s'est tous suivis un peu. Et c'est pas mal que le premier qui a clippé avec lui, c'est Jimmy. Là, il est pas encore là, je sais pas si c'est il va qui venir. Le premier gars qui a clippé ici, là, Joanie. Les premiers rappeurs de Joanie, c'était quand premier c'était de Joanie. C'est des anciens. Ouais, c'était des anciens, carrément. Clip, Skyblog et tout. Ouais. C'était ça. Mais vas-y, le premier clip, c'était Eddy. En vrai de vrai, c'était Eddy. Ouais. Premier clip, c'était Eddy, Chiche Boom, il est toujours sur YouTube. C'est Eddy, Chiche Boom. Et vas-y, après, c'est à partir de là, ça a suivi. Hein.
C'était à combien de temps? Ça fait combien de temps, on va dire, il y a des gens qui rappent à Joigny? Ça fait qu'il y a des gens vraiment déclarés qui rappent à Joigny, vas-y, depuis 2018. Ah, c'est récent, ça, ouais, veut dire. 2018, ouais. Vraiment, en mode clip, tout ça, c'est 2018. Sinon, ça a rappé déjà. Ça veut dire avant. Quand, imagine, avant 2018, il y a des gens qui commencent à rapper et tout. Ils se dévuent comment, ici? Genre, est-ce que... Bah, en vrai, tu vois, ils se... Genre, comme ça, tu connais, ça l'échelle, bah, t'es chaud, tout ça. Après, sans plus. T'as vu? Parce qu'en mode, c'était juste, ils faisaient un freestyle à la cité ou... Tu vois, en mode bon délire avec ses potes et tout, après c'était fini. Mais là maintenant, comme il y a les clips et tout, tu vois, les gens ils sont plus derrière. Et comme ça, ils disent au moins, il y a un truc à faire et tout. Si genre, s'ils aiment bien, après tu vois, tant qu'ils aiment bien, c'est bien. Des fois, on les aime pas, t'as vu. Et ceux qui aiment bien, ils sont là, ils sont derrière toi, ils te poussent et tout. S'il y a moyen de gratter un truc, comme ça au moins, on fait connaître la ville un peu. Est-ce que tu penses que maintenant, il y a des gars comme HNT Pro, justement, ici, ça, t'as eu qu'ils ont des clippers à portée de main, on va dire, les mecs d'ici, ça incite les gens à rapper un peu? Ouais, ça incite un peu. Mais tu connais, ça incite un peu, mais tu connais au début, parce que t'as vu, les gens ils sont un peu réticents au début. Ouais, mais vas-y, c'est pas un pro, ça fait pas longtemps il a commencé, tout ça, tout ça. Ça veut dire, tu connais au début, ils sont là en mode ouais, bizarre et tout. Et comme ils savent, c'est mon gars, tu vois, ils savent, c'est mon pote. C'est à chaque fois, à chaque nouveau clip et tout. T'as vu, j'ai commencé il y a longtemps, petit à petit, on monte, on monte. Voilà. Chaque fois qu'on fait un truc, on s'améliore. Que ce soit en rap, tu vois, ou en clip par exemple, à chaque fois qu'on sort un clip, ça va de mieux en mieux, ça monte, ça monte, ouais, voilà. C'est ça en vrai, c'est ça. On suit en mode, on se complète. Quand mes sons s'améliorent, les clips s'améliorent aussi. Et au début, je te mens pas, tu vois. Parce qu'en plus, dans le 89, c'est plus, on dirait, c'est mentalité en mode chacun pour, tu vois, chacun pour sa gueule, ouais, et tout. Ça soutient pas trop. Ville, ouais, entre ville, on, tu vois, on n'est pas trop en mode ouais, département 89. Non, non, là, c'est plus notre ville. Carrément, t'as vu, c'est instinctif, même quand je t'ai dit ouais, direct Joigny 89-300, tout ça. Je t'ai pas dit on est dans le 89. Ça vaut quoi, on va dire. Je t'ai dit, on est dans. Ça vaut quoi, bien. Je t'ai dit, on est dans le 89-300 à Joigny direct. Parce qu'en mode, on est trop en mode comme ça. C'est notre ville d'abord et après, c'est les autres. Mais ouais, c'était ça. Et plus les clips y passaient, plus ça venait me demander, ouais, c'est combien les tarots pour HNT Prod, tout ça. Ouais, ils s'améliorent et tout. Après, tu connais, c'est des commentaires, ils font plaisir, ça. Mais là, j'espère que. Vas-y, faut qu'on change de mentalité un peu. Qu'on soutienne plus, comme ça, au moins, il y a une grosse tête qui pète dans le 89. Ah, parce que c'est à côté du 77. Il y en a, ils ont pété. C'est à côté du 45. Il y en a, ils ont pété. Ouais. Là aussi. Ici, bah ouais, vous avez dossé tout ça. Bah ouais, c'est ici encore, c'est la seule région, ma gueule. Ouais. On espère, on espère même, pourquoi pas, ce sera moi. Ah, nous, on espère, les autres gens de la ville. On espère, on espère. On espère, tu connais. Et ici alors? Non, ça va pas clipper encore, mais tu demain. Tu vas clipper là, ouais, tu vas demain, clipper là. Je vais clipper là, là, normalement. Ok, c'est, okay, c'est okay. Un son avec deux poteaux à moi. Un poteau du 9-5, un poteau du 45, un mec de chez toi. Bah tiens, raconte déjà, c'est qui comme rappeur? T'as fait comment? King Dox, c'est un mec d'Orléans, c'est un bon pote à moi, c'est le frérot. Tu connais, on s'est connus sur les réseaux, même avec les deux. On s'est connus sur les réseaux, tout ça. Et j'ai déjà fait un son avec un autre pote, bah, il sera là demain aussi. C'est Oskash. Le son, il est toujours sur YouTube. BRZ, X, Oskash, CPLRQ, un truc comme ça. Et tu connais, demain, on va clipper un son. Là, on est à 3 cette fois-ci. On se donne bien la force et tout, tu connais. On a créé une sorte de petit collectif. Il y a pas, tu vois, on n'est pas que 3. Mais on est les 3 rappeurs en gros. Et sinon, après, il y a des gens derrière aussi. Tu vois, on est là. Hein. C'est comment les commerces un peu? Ils ont changé depuis. Bah, t'as vu ce grec là en vrai? À chaque fois, vas-y, tous les 2-3 ans, là où c'était fermé, ça a changé, ouais, là où c'est changé, ça, genre, ça a changé à chaque fois. Ouais. Genre au début, c'était quoi? C'était un culture, il s'appelait Haroun. Lui, il était bien, lui. Il était là. Après, tu connais, je sais pas, il y a eu des galères, ça veut dire qu'il a bougé. Il y a des autres mecs qui sont venus, je crois que c'était des mecs de sens. C'était Aladdin. Eux aussi, il y a eu des galères, ils ont fermé. Après, là, il y a eu un nouveau grec, je sais même pas c'était qui, parce que personne n'allait là-bas. Tu connais, il y avait pas beaucoup de gens qui allaient là-bas. Et là, je sais même pas s'il est encore ouvert. Tu m'as parlé de grec? C'est-à-dire que là, je suis obligé de te la poser. Ouais. Est-ce que ça mange bien à Joigny? Non, en vrai, ça mange bien à Joigny. Ça va, ça mange bien. On a des bons trucs. C'est plus en ville, après, t'as capté. Ouais. Il y a quoi? Il y a Chicken House. Il y a Dreams Pizza. Ils font des bonnes pizzas, sa mère. Il y a Gambetta Food. Bon, tu connais, on va pas trop là-bas, mais vas-y, il y a ça. Il y a Selim. Selim Kebab, il est bon aussi. Et carrément, ils ont ouvert un truc il y a pas très longtemps, Max Coffee. Ils sont bons là-bas aussi. Là, c'est plus délire resto et tout. Ah, ouais. Ils font genre des entrecôtes, des trucs comme ça. Après, ils font des burgers aussi. Et sinon, de base, ici, c'était plus les délires de fast-food, tout ça. De toute façon, nous, on est dans les trucs larges, nous. Ah ouais, genre, les tacos 3 viandes, 2 viandes, tout gars, ça. Déjà, nous, on est dans les trucs comme ça, nous. Mais ouais, sinon, ouais, ça mange bien ici. Le chauffeur! Bien quoi? Wesh, ah, ça filme, là, ça filme! Allez, là, Gab Morrison! C'est comment ça? C'était un parking aussi, ouais, avant ça, c'était un parking. C'était un parking, ils ont tout détruit, ils ont fait un petit parc, tu connais. C'est bien, après, les petits, là, ils sont là, ils jouent et tout. Parce qu'avant, il n'y avait pas de petits traînés là. C'était que nous, les plus grands, on était là, parking. Le soir, ça se posait là. Maintenant, c'est bien, les petits, ils ont un truc. Parce qu'avant, les petits, ils avaient rien. Ils avaient juste un petit parc là. Bah, même nous, quand on était petits, on avait juste un petit parc là, et puis vas-y. Ça va, en vrai, du coup, en général, la ville, ils font des trucs pour vous un peu ici. Bah, vas-y, en ce moment, ouais, ils commencent à faire des trucs un peu. Parce qu'avant, je te mens pas, ici, on nous calculait pas. Hein. Ouais. Bah, on nous calculait vraiment pas. Que quand il y avait les élections de maire, tout ça, des fois, je connais, ils faisaient des semblants, ils passaient. Ouais, votez pour nous, non, mais vas-y.
Sinon, en vrai de vrai, il faisait presque rien pour nous, t'as vu. Tiens, bah lui aussi, il rappe, lui. Toi aussi, tu rappes. Il rappe. Mais tu connais, là, il a pas encore, fait, il a pas encore sorti de son et tout. Ah, il est timide, tu connais, la caméra et tout, il est pas trop à l'aise. En mode, ouais, non, lui, là, il a fait que des sons pour l'instant. Il a pas sorti de truc encore, mais t'inquiète pas, il est là, il est là. Quoi, il y a toutes les générations qui rappent ici ou... Mais on a plein, il y en a plein, on a plein. Il y a, bah, il y a les plus grands déjà. Vas-y, la tête que je pourrais te dire comme ça, c'est Dada. Il rappe, t'as vu. Il a sorti des clips, vous pouvez aller voir sur YouTube aussi, Dada. Après, bah, les générations d'après, vas-y. On va dire, bah, à moi, de mon âge, ouais, à moi. Il y avait Stosbo aussi. Mais vas-y, il est plus ici maintenant. Il y avait Stosbo, il y avait Edgy aussi. Après, les générations d'en dessous, maintenant, tu connais lui. Oum, c'est là que je t'ai montré. Il y a Nowhere. Il y a Jimmy aussi. Et il y a qui? Bah, il y avait mon petit frère, tu connais, il a arrêté. Mon petit frère, il a arrêté. On arrive où là du coup? Là on est au quartier des morts, là au QDM. Quartier des morts, pourquoi ça s'appelle quartier des morts? Vas-y, hey, t'as vu, moi j'ai entendu une légende depuis que je suis petit. Ça s'appelle quartier des morts, à skip parce que le quartier il a été fait sur des tombes. J'ai entendu ça. Moi depuis petit on me dit ça. Après il y a des autres légendes et tout, mais tu connais, c'est que des légendes. Je veux dire, genre on sait pas. Et du coup c'est le vrai nom d'ici genre? Ouais, c'est le vrai nom d'ici, c'est vraiment quartier des morts en même. Quartier des morts quoi. QDM, ouais, tu vois, on dit tous QDM, mais c'est quartier des morts en gros, le nom complet. Il y a eu des clips que t'as fait là, là-haut. Ouais, carrément, il y en a ici. Bah carrément j'ai fait un son avec mon pote juste derrière là, un feat à celui avec qui on va rapper demain. On a fait une partie là-bas, j'ai fait Cash Money ici aussi. Bah ouais, à part ça j'ai fait que ça ici, j'ai fait que ça ici. Et là, sinon il y avait Eddie aussi qui avait clippé là. Ici aussi ouais. Ouais qui avait clippé là-bas, je vais te montrer derrière sur la place. Et là c'est le lycée OTT tu m'as dit. Ouais, lycée Louis David. Non c'est un lycée de Trambel ou pas là? Lycée Louis David mon pote. C'était là. Ça veut dire gros, là tu dois pas mentir, tu dois dire la vérité gros. T'étais quel genre de gars au lycée toi? Vas-y, j'étais un peu fouteur de merde, mais vas-y, j'avais des bonnes notes et tout. Après, j'ai quand même retapé et tout. J'étais un branleur, moi, en mode. J'avais la moyenne et tout en faisant minimum. Se dire, bon, je me forçais pas dans le taf et tout. Hein. Mais ça va, j'ai eu mon bac et tout, je suis bien. Ça va, c'est le principal. Tiens, carrément, on avait clippé là. Si, ouais. Ouais, bah, Cash Money, le sac avec mon pote là, Oscash, on a clippé là. Et Eddie, il avait clippé ici. Ok. Ouais. Après, il y a Jimmy, il est déjà clippé ici. Jimmy. On a fait Bendo ici. Première attaque aussi. Bah, première attaque aussi, mais les sons ils sont plus sur YouTube parce que là il revient. Ah ouais. Il va revenir méchant. C'est le côté un peu reculé ici quoi. Après, le plus reculé c'était là où on était tout à l'heure, c'était à la T6, t'as vu. J'imagine. Mais sinon, ouais. Bah, à la T6 avant, il y avait un Leclerc derrière sur un petit parking. Vas-y, ils ont fermé parce qu'ils se faisaient trop voler. C'est-à-dire, du coup, là-bas, nous on a plus rien. Bah, ça veut dire on vient ici, hein. De toute façon, tout le monde serait dans la mode. On peut faire un pub au Chisnox, on arrive où, mon ref, là, du coup? Là, on est au Chisnox, tout le monde se pose là-bas. Sur les grands, les darons, tout ça. Ça dit quoi? On est là. Bien ou quoi? Ah, Yahya! Ah, j'ai fait une petite pub, là. Il fait une petite pub là, Chisnax. Là on est au Chisnax, là tu connais. Et là les darons ils se posent ici, chez Yahya, la bonne adresse. Là c'est lui le boss d'ici, t'inquiète pas. Tu connais, là il est. Il y a la télé, on regarde des matchs, on boit, des trucs comme ça. C'est bien, bonne ambiance ici. Mais le meilleur truc ici, ça. Ah ouais. Le meilleur truc c'est quoi? Le meilleur truc ici. Je te vois pas, tout est bon ici, hein. Ouais. Y a pas de meilleur truc, hein. Y a trop de choix ici. Faut lui demander. Le meilleur café, on a le meilleur café de Lyon. Ah ouais. Ah bah c'est bien alors. Ah ouais, mon pote. C'est carré. Viens toi. Oh, mon cousin. Ah c'est le cousin Soul King, un skip. Et moi, j'ai le cousin. Mais moi, c'est le cousin. C'est Eman Serrani. Ah bah c'est bien ça. Ouais, 5-9 hein. Ah ouais. Attention. C'est bien. On peut carrément filmer même le truc là. Le Blast, Chisnax, tout ça. Ici, hein. Là, c'est le City ici. À l'ancienne, on venait jouer ici. Quand on était petit, tout ça, moi après, il y en a, ils s'amusent à casser le city. Hein. Nous aussi, on a déjà cassé, t'as vu. Mais avant, il n'y avait pas ça aussi. Ils l'ont mis genre vers 2014 ou un peu plus avant. 2013, 2012, 2000. Non, ah ouais, t'es sûr? Moi, je pense que c'est vers 2012, 2013, il hein, y avait le city. 12 piges quand même, le city. Bah ouais, ça veut dire 2012, 2013 en vrai. 2010. Moi, je dirais 2010, après, tu connais ça. Bref, en tout cas, entre 2010, 2012, un truc comme ça. Après, ici, t'as vu ce terrain là. Ici, on a fait v'là les petits fous massacreurs. Ah ouais? Ici, là, toute la place, là, c'était vraiment petit fous massacreurs. On a mangé des coups ici. Bon, sinon, c'est si tu as les petits et tout. Ouais, ils sont comment les petits de Joigny? Non, tu connais, ils sont. Est-ce qu'ils sont comme vous? Est-ce qu'ils sont. Ils sont agités, hein. Ils sont agités, mais c'est bien, là. Il n'y a pas de. J'ai jamais entendu de trucs bizarres. C'est-à-dire, en gros, ils jouent, ils font leur délire, ils font leurs petites bêtises et tout. Après, ça s'arrête là. Mais ça va. Sinon, après, sinon, ils sont plus sur les terrains.
Ouais, comme partout. Hein. Ouais, ils sont vraiment plus comme sur partout. Le terrain. Là, on est devant mon ancien collège, collège Marie-Noël. Ça a écrit ici. Vas-y, même là, ils ont rénové un peu. Hein. Avant, il n'y avait pas les sortes d'arrêts de bus, la façon, les bancs et tout. Avant, il n'y avait rien. C'était juste, tu venais, tu te garais, il y avait un petit trottoir et c'est fini. En vrai, vous avez tout ça, vous avez collège ouais. Là, lycée là-bas, ouais. École primaire. École primaire et tout. Il y a tout ici. Après, moi, école primaire, j'étais en ville. J'étais plus en ville. Okay. Parce qu'avant, j'habitais pas ici. C'est quand je suis venu à 14, 15 ans, un truc comme ça. Et en tout cas, c'était ici les premières vraies bêtises. C'était là, premier blocus. C'était ici. Bah, raconte-nous une anecdote qui t'est arrivée ici. Où au collège. Ouais, au collège. En vrai, les trucs de cours, j'en ai trop. J'en ai trop. Une fois ici. C'était un peu là, j'avais giflé mon prof d'histoire. Parce qu'il avait mis un coup de caille sur la tête. Tu vois, monsieur Mobrou. C'était un prof en mode, vas-y. Quand il était pas d'accord avec toi, des fois il prenait ton livre et il te mettait des coups. Ouais. Sur la tête. Ouais, la jeune mère, il te mettait des coups sur la tête. Et moi, à un moment, c'était instinctif, se dire, j'allais dessiner sur la table et tout. Il m'a dit d'effacer, vas-y, j'ai effacé ce que j'avais fait. Mais il y avait encore des autres trucs. Il m'a dit, ouais, t'effaces tout. J'ai dit, non, moi, j'ai fait que ça et tout. Je rangeais mes affaires, il m'a arraché mon cahier. Il m'a fait ça. Et moi, instinctivement, j'ai fait ça. Et se dire, mais moi, quand j'étais comme ça. Et après, vas-y, tu vois, j'ai bougé. Heureusement, j'ai rien eu. Parce que vas-y, même lui, il m'a mis un coup en vrai sur la tête. Ça veut dire en vrai, lui aussi, il serait fait. C'est donnant, fait donnant, tuer. T'as vu, c'était donnant. Mais la pire anecdote de ma scolarité, je crois, c'était au lycée. Ah ouais? C'était au lycée. C'était arrivé quoi? C'était quoi? T'as vu en seconde, parce que j'ai retapé la seconde. Ouais. La première seconde, mes darons, ils étaient au bled. Ça veut dire, vas-y, je faisais que sécher, tout ça, voilà, tout ça. Des bandades. Hein. T'as vu? Et quand ils sont revenus maintenant, parce que t'as vu, ils étaient au bled, ça a coupé les appels et tout. Et quand ils sont revenus maintenant, ça veut dire, ils ont tout reçu. Ça veut dire maintenant, après, vas-y. Il appelle tout ça, ça lui dit ah bah tiens, heureusement que vous m'avez appelé, tout ça, non, on va prendre rendez-vous, tout ça. Mon daron il prend rendez-vous, tu vois. On arrive au lycée, moi je me rappelle, j'étais en cours, surveillant il vient me chercher, tout ça, ouais. Il me dit, et tu vois, moi je m'entendais bien avec les surveillants. Il me dit ouais là, il y a ton père et tout, il est là. Je dis impossible, mon père il est au bled. Il me dit ouais si il est là et tout, non. J'arrive, je vois, parce que tu vois mon daron en plus, tu vois, costard et tout, tu vois, on est comme le costard, chapeau, tout ça. Je vois et tout. Je dis mais non. On arrive et tout, elle me ramène une feuille comme ça, tu vois. Genre un dossier de feuilles comme ça, que des absences et tout. Putain. Ça veut dire dès qu'on sort de cours, et t'as vu, j'étais grave chiant en taille et tout. On sort de cours, mon daron il fait quoi? Il m'attrape par la capuche, balayette, dans le lycée, hein, balayette. Il commence à me mettre des shoots, il commence à me taper avec sa canne et tout. Il commence à me taper. Et là, je me suis dit, Dieu merci, il y avait presque personne. Parce que t'as vu, c'était entre les cours. Ouais, ouais. Parce que s'il y avait des potes à moi, là, même des gens qui sont là, jusqu'à aujourd'hui, je me serais fait finir. Je m'aurais filmé et tout. Ça aurait dit, ouais, c'est ça votre BRZ, regardez, il se fait taper par son daron et tout. Je veux dire, ça, vraiment, je pense que c'est la pire anecdote que j'ai eue en cours, mais heureusement, il n'y avait personne. Bah, là-bas, ils sont en train de refaire. Ouais. Là, ils vont refaire comme ça, au moins la cité, elle sera plus belle un peu. Ça ressemble à ça, du coup. Ouais. Ça veut dire, c'est comment ça a changé un peu ouais, ici ça, ou quoi? Avant, la tour, elle était belle, t'as vu. Ça veut dire, à un moment, ils ont cassé et tout. Après, ils ont rénové. Ils ont nommé ça résidence Voltaire. Mais tu connais, nous, dès qu'on est ici. Tu sais qui habite ici depuis plus longtemps, je connais, nous on appelle ça la tour belge en mode. Okay, t'as lancé, c'était la tour belge. Du coup là c'est le bas du quartier. Ouais en fait, là c'est le bas du quartier, c'est la fin, tu vois. Question comme d'hab, est-ce que t'as fait des clips ici? Ici j'ai fait un clip vers les garages là-bas carrément. Ouais. Je sais pas si tu les vois là, un peu. Mais il y a un truc qui cache les garages là-bas là. Non, j'ai clippé Parano là-bas. Ok. Ça date, c'était en 2020. Ouais. Octobre 2020 si je me rappelle bien. Et carrément ici, c'était pas comme ça avant aussi. Ouais. Avant, tout qui change ici en fait. Ouais, là ils ont vraiment tout rénové et tout. Tu vois ça là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas et tout. Même les petits bois, les trucs comme ça. Là ils ont mis des trucs même si tu veux faire de la muscu et tout. Avant il n'y avait pas ça. Genre il y avait quoi? Il y avait un petit chemin, il y avait des buissons. Il y avait 2-3 jeux pour les petits. Il y avait un banc, après c'était fini. Et maintenant là t'es mort. Ça va. Dedans et tout. Là maintenant on vit bien en vrai. Bon, question habituelle aussi, à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, je la demande. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un truc de différent à Joigny qu'il n'y a pas dans les autres villes, un truc que bah, t'as en vrai, c'est notre mental et tout, hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas pareil que les autres. On a notre délire à nous, on est entre nous, on ne mélange pas trop et puis c'est ça. Et tu connais quand je suis ici, chez moi. Ouais, c'est je suis ça, à l'aise. C'est le plus important. Je sais pas si ça te fait ça toi aussi, mais t'as vu, quand tu changes de département, des trucs comme ça, vas-y, tu sens que t'es pas chez toi en mode. Ouais, c'est pas pareil. Quand je suis ici, je suis bien, t'as vu. Est-ce que il y a un truc genre, par exemple, des façons de parler, des trucs différents ici dans le 89 ou à Joigny qu'il n'y a pas ailleurs aussi? Franchement, vas-y, façon de parler, bah vas-y. Tu connais, il y a des gens en mode, il y a plusieurs influences ici. Comme tu as vu, on n'est pas très loin de Paname et tout. Il y en a, ils sont influencés par Paname. Après, il y a des mecs de Lille qui viennent ici, ça veut dire, tu connais, il y en a, ils sont influencés par ça.
Tu vois, même ils sont influencés par le langage de Lyon, t'as vu. Après on a nos délires un peu, tu vois. On a un peu nos délires bizarres et tout. C'est par le bled. Ouais, aussi. Ah, aussi, mais voilà, sinon on n'a pas de langage particulier après, sinon. C'est ça, bon. Ouais. Est-ce qu'il y a un mot, par exemple, un mot qui se dit à Joanie que... Un mot, il y a quoi? Ouais, mais allez, ça, c'est pas un mot, c'est pas un mot, mais sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc différent que... Vas-y, il y a quoi? Ils aiment bien dire « il sait quoi » ici. Mais t'as vu, c'est des mecs de Lyon. Ah, vois, ouais. Ils aiment bien dire des trucs comme ça. Ouais, c'est un peu différent. Ouais, un peu différent. Mais tu vois, ils aiment bien dire ça ici. Bon, dernière question, mon ref. Celle-là, c'est la même à chaque fois. Toutes les vidéos, c'est la même. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Barça. Barça, Barcelone, ouais. Obligé. Bon, tout meilleur est club bon. Du monde. Tout toi, c'est bon. Quoi, toi? Moi, c'est Lyon, gros. Lyon? Ouais. Toi, t'es un ancien, toi. Oui. Mais c'est quoi, toi, tu supportes Lyon? Depuis 2008, hein, gros, je crois. L'époque des Govou et tout, là. Ah, mon gars, l'époque des Govou. Ouais, non, si, c'était bon. Will Tord. Ouais, à l'ancienne, c'était bon. Maintenant, vas-y, c'est plus trop ça. Maintenant, c'est plus trop ça. Maintenant, il n'y a que le paradis du fruit, maintenant. Ah ouais? En plus, ouais. Ah ouais, bah tiens, en plus. Bah, sinon, gros, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on suit? Mes réseaux, Snap, Kouluna-du-Bois, BRZ, Insta, Kouluna-du-Bois 242. Après, chaîne YouTube, pas chaîne YouTube. C'est la chaîne de mon pote, HNT Prod. Hein. Donc allez tous checker HNT Prod et puis voilà, c'est ça, on est ensemble. Hein. Tout est beau, bon. Merci mon gars en tout cas. Tranquille. Ça bouge pas, on est ensemble. T'avais clippé quoi ici? Ici, j'ai clippé une partie de Cash Money, j'ai clippé un son, il s'appelle TLMC aussi, et j'ai clippé Mauvais 1. Mauvais 1, c'était le meilleur clip. La vie de ma mère, juste là, là. Ah, tu vois, encore marqué HNT, c'est encore nous. On a BRZ la machette. On va découper vos rappeurs en brochette. La vie n'a pas de prix, mais la mort s'achète. Hein? Tellement branlant que si tu mets de l'époque, je te la déboîte. J'ai plus le temps d'aller poser en boîte. Je fais mes sous, mes sons, je fais croquer mes sangs. Et je guette les nœuds qui déboîtent. On aime pas trop parler, mais on préfère agir. Donc c'est tant qu'on va réagir. Air Force D, mais je suis toujours un genre, je vais la baiser. Puis tirer ses rajouts. Pas de repos, pas de répit, pas de resta, pas de fat, pas de groupie. Une inspire, un cesse, pas de copie. Fais bouger tes gars et ta copine. Mais mes péchés mignons sont vilains. J'en veux plus, donc je suis un voleur. Le temps de la drogue n'est pas révolu. Je pourrais faire des transacts en vélo. Je rappe ma haine, est-ce que tu le ressens? Bouge la tête si t'es intéressé. Je vais au studio, je vais avec des gros sons, bon sang. Pourquoi j'ai toujours pas percé la vie? Tiens qu'à un fil, tu peux l'avoir défilé. Un poisson qui s'égare trop fini dans les mailles du filet. Moi je suis un putain de bon, mais les mauvais chez moi sont pas tous sympas. Plus c'est dégueu, plus c'est bon, puis ils viennent donc un flou rentant. Moi je suis un putain de bon, mais les mauvais chez moi sont pas tous sympas. Plus c'est dégueu, plus c'est bon, puis ils viennent donc un flou rentant. Kouluna BRZ la machette, on va découper vos rappeurs en brochette. La vie n'a pas primé, la mort s'achète, c'est encore nous. Je peux pas te mentir, je suis devenu parano à cause de ces poucaves qui rôdent. Demande à Jimeh, la vie de bandit, c'est soit j'tar ou la mort. Demande à Jeffo, on savait déjà que la zip donnait la poisse à mort. Avec 9-3, on crée des connexions de Moroni à Zarzi. Ça revend du shit pendant que tu suces en bois des tours. Y'a rien qui tourne en rond, pour ça que je les détaille en barrette. De fumer, c'est quand je m'arrête, au fond, je serai toujours malhonnête. Sous ma paire de lunettes, j'ai les yeux raides, je crois que c'est l'effet du thé. En plus de ça, pendant que j'enfume, elle l'arça. Sur moi j'ai de ce modèle, j'perds mon paquet de massa. T'es massa, j'suis plus technique, t'es joueur venu de la Masia. J'suis toujours à l'affût des condés dès le matin, petite catin. Si j't'aime pas, j'veux même pas checker, j'ai toujours pas pété de checker. Sa vie sert à des pachecos, des camés qui n'ont plus chico impliqué. C'est vrai que j'ai les crocs à la salle, ils lancent son croco. J'vais te l'annoncer sur le morceau, arrête chez Neff pour un me croc. J'me méfie de ses balances quand j'défile dans la ville. En vrai, j'ai pas laissé, c'est son sur son pull. Si on bécrave la peur, c'est parce qu'il faut des thunes. Fils de pute, tu sais même pas ce qu'on vit, que tu bandes sur la rue. Comme un junkie, on manque de course, je dors pas sur mon tech. Si jamais ça pète dans la musique, comme à 6h du spa. J'tape pas qu'en zéro, comme mort, j'aménage et n'a me remis. Commission, regarde, t'as trop de voix, viens de vivre une photo. Fume la beida, nous rend amnésique. Fume la pour perdre du poids. Il pêche pour meuf qui baisse pas. T'as déjà c'est un des trois, tu fais gibanche en bas de chez toi. Je tiens pas un an sans péta. Si tu veux tester, viens chez moi. De la vieux K, y'a 3X. Coup de vapeau si tu nous fixes. On te baisse ta mère et tu glisses. Et tu glisses sur l'instru. J'y vais, me calme après ça. J'envoie du le sein. Autre filoche, on prend ton que ça. Sois pas méchant, on va te niquer. Sois pas kécho quand je vais kicker. Quand je vais kicker, sois pas kécho quand je vais kicker. Quand je vais kicker.